Mardi 5 octobre 2021, merci. Libre débat numéro 2 pour la semaine 1 sur CML 13 Télévision. Tozane Sengwa Kweba et Tebosa et Bélé à Kolanda Programme Yamokolo Nalelo. Toute l'équipe Yamerveille, Vangou, Baza, pour exprimer gratitude Nabango et Panabino. Partout na Kinshasa, Brazzaville, mais aussi Monde Mobimba pour na Kolanda, Bisolatango Klende, na Reverend Papi Boye Kwankumu, Oyo Baza ko consacré toute une semaine justement pour na ko réfléchir en tant que chrétien. Voilà d'ailleurs, initiative Tuzana Yango besoin pour réfléchir sur les pays, ça ne va pas. Il y a des choses de Sengeli Kobongisa, alors recherchez toujours le bien, Yamboka et Sika Bozali, parce que votre bonheur en dépend justement Yango Bazo. Le Bélan, la série à ma conférence patriotique en 8e édition, Kuna na Avenue Movenda, numéro 206 bis, na commune, il y a Ngiringiri Kino dimanche. Breaking news. C'est vrai qu'on a constaté, et d'ailleurs ça continue pratiquement, perturbation dans les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, mais aussi WhatsApp. Ils ont été très difficile le lobby pour communiquer. Alors, information tous en ango, lobby justement, il y a des problèmes techniques, mais insécurité, cyber-insécurité pratiquement, et Talisamil a 4 services, Oyo, Facebook, Azak offrit pratiquement à 3 milliards de personnes à travers le monde. Alors, Bango Moko m'a présenté des excuses pour la raté technique Wana et quelques personnes balobi, certains spécialistes qu'il y a un problème, les chemins informatiques d'accès aux plateformes de Facebook ont été perturbés, donc l'INA Bango, tout ça, et c'est là qui est un peu touché. Alors, et Salissi Bango perte il y a 6% pratiquement la bourse va perdre 7 milliards de dollars en quelques heures. On a Facebook, mais aussi 19 milliards de dollars dans le mois de septembre, justement na sekuso bazui na moi problème technique Oyo selon Wall Street Ndebape si information on a 3 milliards utilisateurs à travers le monde bazo salé la ba réseau sociaux ama alors bazala qui ma difficulté lobby alors ezana moko mosali ya Facebook a lobby en gros française au gain a lobby yaza ko accusé justement au groupe Wanda Facebook le backer bango ba choisir profit au lieu ya sécurité il y a des utilisateurs donc bazo qui peut penza cyber sécurité bazo qui peut sécurité bato bazo c'est la réseau en athée mais pour la bango le plus important c'est l'argent le plus important et ça va revenu au baza kozoa et d'ailleurs on nous apprend que député to élu américain Koyambaye, lelo mardi, pour la Koyoka, cet ancien chargé à produire na Facebook, Koyoka ye sur l'impact, il y a Facebook, et pas une banamike, adolescent, voilà, débat au bakosala. Donc, il y a un sérieux problème, Bokomona qui est depuis le bi, aux autres, il y a ma photo, aux autres, il y a aux autres, comme ma cambo, aux autres, comme ma lamouté, et kilo, lelo, na tongo, ils en a moins kilo, donc ça n'a rien à voir, na rama, donc, les problèmes, ils a plus, et sika, bilo, koyana, et outa. Ça, c'est aussi une interpellation pour le système d'éducation d'Abisson. Tous à la faculté Awa, université, au formé des informaticiens. Mais le grand problème, invention aux opposés problèmes. Nous n'inventons rien. Tout ça, l'arabilo kabatou, jour héroïne de l'Abisson Awa, au monique Abisson, c'est toujours là. Et surtout presse, parce qu'avec les médias en ligne, on ne sait pas fonctionner. Même vos émissions, pour la côté en gros sur YouTube, on a justement besoin, il y a babilo comme service Oyo, et voilà, et ça toujours important pour la côté s'affirmer, puis le monde Oyo. Tous à la peine, intellectuel, technicien, ingénieur, c'est pas moi, école, ils ont ébélé, ils ont inventé, ils et permettre tout est l'ango, pétolo, namokile. Ram, justement, tout le bel yango, mercredi, lobby, des ministres, pétentiques, qui basa, kozala liboso, il y a, député pour la répondre, bango, parce qu'à singa qui remise par rapport à la question, posée qui est semaine passée sur Ram, mais en même temps, Augustin Kabouya, secrétaire général, il y a UDPS, il est à soutenir RAM. Alors, le problème, ils ont des bisous, population, tout l'ingarande, comportement, tout ça, en gros, il y a qu'au bout, il y a qu'au foot à taxe. Nous, on a tout dit, ça, mais en réalité, RAM, ils ont un problème, mon côté, bon, et puis d'ailleurs que,
Et c'est un mal rumeur et circulé que Kibasa Alobi Aza dérangé par certains caciques. Il y a eu des pèses au bazo Kotundisa et Namoussala, Bangonde va créer les problèmes Wana, il y a Ram et mise au point Salami avec sortie médiatique. Il y a Augustin Kabouya, secrétaire général, Alobi que non, Ram, mais il y a un problème, t'es pour mais il y a des populations, Aza, moi, kilo, Pona, Kofuta, et taxé pendant ce temps, FCC va promettre, va lobby que ceux qui, Bango Bazo, Bongisa, une motion de défiance contre Augustin Kibasa, ministre à PTMTIC, ce qui ignore sacré Azako persister dans son jeu de simulacre. Voilà, et loco, lobby, Yango, on a donc rendez-vous, lobby pour Nakoyoka, ministre, réponse Nini Akopesa par rapport à la dossier, il y a RAM. Scandale Moko, Eza relevé par un confrère, vrai journal, lobby. Baati Lukwebo, président de la chambre haute, il y a parlement d'Abisso, Sénat, donc, a fungoli si compte moko fictif dans une banque privée de la place, et si kaye moko pas a associé. Alors, compte y a Baati Lukwebo, selon cet article, et Kombo na yango soutien campagne. Alors, soutien campagne, Zanini Azo Senga, naba mandataire, ba responsable d'entreprise publique, ba cotisaka, ba tindakamo, ba contribution, ba mbongo na compte wana, et justement, ce qui peut permettre, bango, pour nous soutenir campagne, il y a président de la République, na 2023, on ne sait pas. Alors, à l'état qui part, ministre, il y a portefeuille, ou, il y a membre, il y a AFDCA, et si, ba, il y a Mokonzi. Alors, balobi, solo wana, et yokanaki, Jean-Marc Kabunda, yokaki ango, a bengi, premier ministre, Ebisi, ministre en charge, il y a portefeuille, bah sur soi l'ikambouana, donc ce qui est le makambou ya mise en place, il y a bah entreprise publique et zako zomwa kilo, donc logique mas comme si bah à la base n'engo l'icolo à compte fictif oyo. Mais alors tout ce qui est par rapport à l'article vrai journal tout benga qui d'ailleurs entourage il y a bah à le kwebo moko na bango Médard Kankolongo aussi président du Congo en avant au siégé na conférence des présidents, il y a bah lié il y a AFDC bah lobby que ils ont justement mensonge ils allient acharnement, ils ont intox contre Baati Lukwebo. Cette histoire n'est pas vraie. Et d'ailleurs, bah, promettre que Baati Lukwebo a contacté pour caper sa biche la vraie, la bonne information par rapport à la situation au Bazo Fundaye, à Salissi compte fictif, comme on a un gros soutien campagne, na Félix Tshisekedi. Donc, restez connectés, je crois que ton repèrement est bien envoyé la vérité, ils ont mini par rapport au dossier où il y a battu le Kwebo. Un autre scandale, ils ont révélation au Jean-Marc Kabound, président intérimaire, il y a eu des pèses à Salaki, mais samedi, Tangazako inauguré école où il y a sali EP1, EP2, Bikanga, dans la commune, il y a Kisenso. Jean-Marc Kabound a tongi pratiquement 12 salles de classe. 12 salles de classe où on a dépensé 350 000 dollars. Selon Yé, pour la Kotonga 12 salles de classe, na ye, évidemment, on a un annexe, tout ça, na ba condition malamo, ndenge batuba monaki yango. Mais seulement à révéler, jour à inauguration école en Alobi, il y a un projet, il y a construit 350 écoles Awa na Kinshasa. Alors, na 350 wana, ba yebisye que projet wana eza 450 000 dollars pour na kotonga 6 écoles. Seul 6 salles de classe seulement. Il y a tongi 12 salles na 350 000, mais kuna balimba tonga 6 salles na 450 000. Alors, Alobi, Moka ezo perdre ba milliard oyo ekubunga biso asengi d'ailleurs na ba député sur place ba ba kofungola miso base la TIJ face le bon Moussala mais ba enquêter sur ces dossiers là. Alors bref, toka Jean-Marc Kabound. Je suis député national, premier vice-président de l'Assemblée. En tant que socialiste, je me suis décidé de partager tout ce que j'ai gagnerai comme premier vice-président. 30%, j'ai alloué ça à mon parti. 30% au social du peuple et 40% pour ma famille. Il y a 3 jours, j'ai discuté avec un responsable politique de ce pays autour de ce projet. Quand je lui dis le montant, tout de suite, il est scandalisé. Il me dit, président, c'est pas vrai. Est-ce que c'est que tu dis vrai? J'ai dit, mais oui. Il dit, le président, as-tu appris qu'il y a un projet de construction de 350 écoles? J'ai dit, oui. Mais ce n'est pas ce que tu dis.
Ces projets, vous vous en doutez. D'ailleurs, ils consistent à la construction des écoles préfabriquées pour un montant de 450 000 dollars. Ces gens vont construire 6 salles de classe plus petites que celles que moi j'ai construites sans les annexes que moi j'ai faites. Vous vous imaginez? Et c'est de cette façon que nous allons soutenir la vision du chef de l'État. Quand je fais mes calculs, l'État congolais va perdre plusieurs millions dans ces contrats. Honorables députés, vous êtes là, vous m'écoutez. N'attendez pas que l'IGF tombe sur les dossiers. Si, si. Vous commencez à dire non, l'IGF va sur les dossiers. Voilà un dossier que nous avons. Vous, ça crédite ma thèse du détournement scientifique. Oui. Derrière des contrats publics. Voilà, donc, comparaison, Jean-Marc Kabunda, ça dit 12 salles à 350 000 dollars, puis 6 salles à 450 000. Tu évites peut-être, ça, la raison, la climatisation, la Kati, et ça, je sais pas moi, et l'eau, on y bat, la Kati, pour que différence, on a, il y a prix, et ben, la Kosalema, ma bengi, en gros, détournement scientifique, et tournement, ma terme, n'amboka, oyo, donc, contrôle, fait Salema, parce que, sur les 9 sites pour la construction, il y a 350 écoles, 7 déjà, ils ont en exécution. Ça dit, ma Kamangwe, c'est bandit. Alors, ceux qui t'ont oumeli, et qu'on risque peu, ceux qui pensaient, ça, détournement, solo, ma rokoma, la routine, à souk, à l'ouvre, projet, à 100 jours, c'est le moment, il y a quoi interpeller, les ministères, il y a infrastructure et travaux publics parce que le directeur des cabinets de Bango, Chrysostome Ila Azalaki Kuna, semaine passée, justement pour nous constater, Nakinkole, comment est-ce que Misala Ezako Salema par rapport à un projet à 350 écoles. Voilà. Autoro Kolobango, on a Gabriel Mundadi, Azanabiso Elongo, analyste indépendant, Gabriel Mbote. Mbote, Ndeko Jacques, Mbote Naba. Co-débatteur Bansoto Zanabango sur le même plateau, Mbotenaba Congo Mani Banso Baso Landabiso Sasa, et puis sans oublier Bande Cognos, Vasutanabiso Namo Amba, Regini, Salongo Lifulu, Malolo, Djagam, Banzalemba et Campus. Donc je suis en train de le saluer en passant. Toi-même, tu as joué un mot, tu vois, c'est que 2023, ça s'en mort. Alors, John Maïl et Azanabiso et Longo, il y a un secrétaire général, il y a AVR, et voilà, Ndeko Maïl et Mbote. Mbote Ndeko Jacques, Mbote la population congolaise, on y a surtout beaucoup l'Andabiso, et puis Mbote Nabako, débatteur Nangaï. On a toujours la philosophie bantou. Hein. Dans la philosophie bantou, lorsque et moi en âge, j'ai partagé plateau moko, tout table moko, na baou, ba ali supérieur en âge et dans la bénédiction. Donc, na pesi ba mbote. Et puis, naza ko salue l'autorité nyon sur moko na biso, parce que parti na biso, Alliance des valeurs républicaines, tout amorcé processus moko, ya ba consultation, na ba grande force politique, ya propos, ya avant projet moko, loi auto, tu ko élaboré. Donc, récemment, ba ote koyam ba biso, et pas ya. SPA et PPRD, directeur des cabinets à Ndegobat et à Mbagibiso, et nous continuons avec les consultations. Donc nous sommes là pour éclairer la lanterne et éclairer l'opinion. Merci. Papimba Waza Nabiso Elongo, Papimba Waza Moko Yaba cadre la PPRD, il y a Joseph Kabila, communicateur, et Topesi Mbote, c'est vrai qu'il traverse des moments particuliers parce que l'Obi Abandeko Samba, évidemment, plaidoirie Ezali, Baza causé la bas décision, on ne saura pas commenter, procédure ou Ezan la justice, mais du moins, Aza Nabiso la Platon, de Kumba ou Mbote. Mbote Ndeko Jacques. Topé si ba Kongoma n'yon surtout Mbote Bishika Bali, topé si ba Kodébateur Mbote. Pourquoi pas saluer mon autorité morale, l'homme qui m'a étiqué pour faire père aux élèves de l'école buissonnière, que je salue là où il est, et je plaide pour le débat républicain. Merci. Monsieur Mangala, il y a la Mouka Zanabiso Elongo, il y a un cadre dans le nouvel élan, il y a Adolphe Mozito de Commission Mbote. Mbote de Kojak. Mbote aussi naba co-débatteur. Na landi opesi ba information qui toko très bien là, mais au Bosani coupé ces informations il y a marché à la Mouka à l'ENEF. Voilà, donc notre peuple devait retenir ceci que le 9. Qu'est-ce que je dis le 16 mars. Qu'est-ce que je dis meeting et l'ENEF la Sainte-Thérèse et le 16 marche et Kozala. Donc c'est pour dire que notre peuple devait se préparer. Parce que tout le monde qui meeting, il y a vérité. Pour le lait.
bah au balingi que bah confisquer souveraineté du peuple. Saint Thérèse, bah tiens on a zone neutre hein. Non. Mais écoutez. Parce que l'amour qui a fait peur. L'amour qui a fait peur. Au moins, tant que tu as déjà un mobile 9, que tu as un meeting, les 16, tu as un marche. Aucun parti politique. Balobaki que les 9 bango pe bazana miti les 16 bango pe bazana marche ba malanda ngombe ceux qui sont en train de distraire notre peuple, ceux qui sont en train de réintégrer le même exploit de monsieur Kabila veillent encore davantage semer les désordres. Mais biso to ko tanga ta jeune bango te parce que biso komba o YouTube bunda tout bunda combat moko démocratique et pacifique. Et nous ne voulons pas que le sang des Congolais, même un ouyata yamakile à Congolais, est tombé. C'est pourquoi ce monde encore, bah, oh bah, mais ça n'a c'est un zété qui sont spécialistes en mensonges, à Kadjoshi, si c'est Kadjosha, veut que makile à Congolais est tombé. Dans tout le cas, bah, désordre. On aura tous les mais nous disons, l'ENF, pacifiquement, tous à un terrain à Sainte-Thérèse, pour que toye bisabana ya mboka, la situation politique, tout bengiango, mitingi ya vérité. C'est pourquoi, bah, comme on a nengé, population congolaise, bah, qu'on a de partout, sur l'étendue ya ville ya Kinshasa, pour descendre la terre à Sainte-Thérèse et ces jours-là, le peuple faut comprendre pouvoir évanouir du wapi. Merci. Voilà, je crois que Toko, voilà ce que comme question, Gentiline Kobilande a répondu à Bissot, ce qui s'intéresse, bon, bah, ambassadeur au Bayaka, bah, les gars, la Sainte-Thérèse, donc, bah, il faut pas qu'on t'en bat, la Sainte-Thérèse, on dit là, éthique à la polele, au nom, il y a zone neutre, au Yemoko, à Bimisaki. Alors, grand débat, Tozan et Ngo, vous avez dit que c'est l'impasse, blocage, 72 heures ultimes, Oyo et Pesamaki, n'a pas confession religieuse et salique, batikalika kakoyo kanate, bolandi dodo kamba, évêque général, il y a église de réveil, on a offert partie na 6 confessions religieuses opposées d'ailleurs na catholique et protestant, bah lobby que c'est fini, pour la bango, ils considèrent qu'ils ont déjà fait le travail, alors, bah, qu'on soit temps, il y a qu'on débattre. Alors, bah, y a coupé ça, PV na bango, PV na 5, na député, bah, entériné, oh, bango, bah, si, bah, zoaki, ça dit, bah, poni dodo kamba, comme président. Alors, pour la, le reste, catholique et protestant, bango, balobi, il fallait bah, continuer ma solo. Jean-Pierre Bemba, c'est lui, bango, communiqué. Alobi, ce qui Moïse a, c'est surpassé. Est-ce que Maza capable de se surpasser? Et ça, ma question, on te répondre rapidement et juste vers la fin. Tokoyamba, honorable Ados Ndombasi, Opakoya, pour la mise au point, naïe, évidemment, tu es sûr qu'il y a une palissade ou pas, mais on va vérifier dans le parking ce qui palissade et ça, Bisso Awa na CML 13 télévision. Alors, toujours madame Gabriel Mugabe, est-ce que par rapport à la demande à communiquer à Jean-Pierre Bemba Gombo MLC, est-ce que le religieux baza a même yako se surpassé pour le dossier Oyo où il faut te constater justement qu'il y a eu échec, ma église, ma confession religieuse baza incapable de se mettre d'accord. Bon, merci pour la motuna. Moi je pense bien que Nathan Bazo Benga Bango ba père spirituel. Donc, Basali Batou Oyo Basana connaissance biblique. En dehors de cela, Basali Batou Oyo Basali na Saint-Esprit Katina Bango. Alors, vous allez comprendre que ce qui Moutouaza sur un esprit Yakomi Kitisate, Moutouaza un esprit Yakoyo Kanana Bande Kote, c'est-à-dire que Moutouaza sur un Saint-Esprit Katina été. C'est vrai que Basali na chance Wana. Ils peuvent s'entendre. Si et seulement si Batiki ko joue j'ai yaba politicien. Parce que ce sont de grandes personnalités. Batu Oyo, Bazo To Sabango na Katia Mboka Oyo. Et derrière et Bazalina Bandimi. Ba Lukate ba mettre Congo à 100 e a fait. Parce que le lo Congo Soki
et comme il y a 100 ans, il y a fait que bitumba yebimi et ça la bande qu'on a bu sur ma catholique et ça la bande qu'on a bu sur ma tu as SSC et ça la bas oyo il y a église de réveil, c'est à dire que bandimi na bango bako se retrouver na même situation que les autres peuples. Yango biso nga personnellement na zo ko senga na ba père spirituel ba mata batika ba égoïsme batika politique na ba politicien, mais ba luka comment est-ce qu'ils peuvent s'asseoir? Vous savez, l'autre fois j'étais en train de dire que dossier o yaseni, si on ne prend pas garde et que bon sabat na mboka oyo, parce que qui du seni, si les choses sont très bien organisées, et vous verrez que les élections seront aussi bien organisées. Et donc, mon accord, Mayo Nyon, surtout, est le cas dans les années passées, et qu'on se reproduire le sous-jouté. Et c'est pourquoi je suis en train d'appeler à ces gens-là, nos pères spirituels, ceux qui nous dirigent, ceux qui sont tout le temps en contact avec le Seigneur. Oui, Balobaka, que non, je suis la bouche autorisée de Dieu. Nzamba tambo la kanaba parti prité. Nzamba tambo la kanaba injustice te. Nzamba tambo na tribalisme te. Nzambe azawana pour que à mettre tout le monde et sika moko. Boyokani. Et bango il faut ba prêcher biso un bon exemple en tant que ba père spirituel. Donc bati ka kozamba parti pris et ba surtout passé de façon que ba trouver une solution pour que permettre que Congo et Kendaliboso. Donc voilà un peu le Congo na zoloba. Il faut consensus et salé. Mais justement, Michel Mangala, consensus et salema, c'est surpassé. Mais comment? Parce qu'il travaille déjà hors délai. Qui c'est Libango? Il y a ultime 72 euros, Pesaki Bango. Finalement, Isaac est épuisé depuis lobby lundi, le lotos à mardi. Alors, quel débat du souffre ça là? Étape mini, si quoi, et c'est d'abus au conçoit. Mon frère, il faut poser les fondements. Le fondement ici, ce n'est pas le père spirituel. Le fondement ici, il faut partir de la crise où il va y avoir. Qu'est-ce que nous voulons? Il y a un problème sérieux qui date depuis la proclamation, il y a l'élection en 2018 par Messie Nanga, qui a mis le pays dans un trouble que nous ne pouvons pas imaginer. C'est ça le vrai problème. Le problème, c'est que avant que tout parvenir atteindre nos pères évêques, mais nous devons d'abord arranger. Parce que ceux qui vous regardez très bien, parmi ma père Nabisso spirituel, il y a ceux qui sont qui soutiennent les mensonges et il y a ceux qui soutiennent la vérité. Quelle est la vérité? L'ensemble de notre peuple, je parle d'abord de la population. L'ensemble, je dis bien la majorité, c'est ce que je voulais dire, la majorité de notre peuple veut que, avant que loi Oyo faisant, portant organisation et fonctionnement à CENI, et à la voûtée, il faut trouver consensus. Si Tozongi, même dans la partie politique, je prends d'abord leur temps, il y a une audite sacrée. Vous allez voir que même Bato na Bangou, INC, ensemble, MLC, FCC, demandent quoi? Le consensus autour de la loi. Donc pour vous, ce n'est pas important, ma chef religieux. J'atterris. Demain, ma chef religieuse est important, mais d'abord consensus. J'atterris calmement. Mais il y a l'entêtement. Et partant de l'expérience de ce que nous avons vécu dans notre pays de 2006, 2011 et 2018, vous avez vu que nos pères spirituels parvenaient à se mettre d'accord tout autour de Makambo Oyo, il y a Seni. Pourquoi?
C'est entretenu par les hommes politiques. Non mais là, c'est pourquoi vous voyez que là, c'est un débat, on ne sait pas prouver. Non, non, on peut prouver. La menace, on peut tout prouver ça, influence. On peut prouver ça, Neko. Oui. On peut prouver. Mais prenons les cas. Vous avez suivi nos pères que nous respectons beaucoup de l'Église catholique, nos pères spirituels de l'Église catholique. Vous allez remarquer que depuis que Obanda ba élection à Katambo Konabiso, pourquoi ba signer ba tika ko signer PV. PV oh sengi ke ba désigner muto na seni. Donc monsieur Tilombo réitère encore le même exploit. Ya ba ndeko na biso, ya muninga na ngana linga mingi papi. Donc c'est-à-dire monsieur Kabila. Donc nous ne pouvons pas partir dans des erreurs que monsieur Kabila a fait. Pour que hier on avait condamné M. Kabila et aujourd'hui cet aspect des choses est comme le col à la neige et comme le col à ange, c'est contradictoire. Merci. Mais maintenant, je chute, c'est ma parole. Alors, Ndeko Moussa, c'est vrai, à niveau, il y a Ndeko FCCP, ça n'a point de vue Nabango, c'est vrai, ils ont soutenu l'idée et consensus, Nege Michel Azakoloba. Mais alors, ceux qui ont dit qu'il y a un débat avec la confession religieuse, y a-t-il possibilité, après expiration à délai à 72 heures, de contourner le chef religieux, évidemment, de trouver une autre solution sans passer par eux? C'est possible? Non. Oui, nul n'est possible. Quand les gens réfléchissent en tant que les théoriciens, lorsque on constate l'absence des théoriciens, ça pose un sérieux problème. Et je m'en vais tout d'abord expliquer à Mangala que non, Kabila n'a jamais été membre à confession religieuse. Ça, il ne faut plus dire ça sur la place publique. Quand tu dis référence de Kabila par le passé, M. Tshilombo est en train de copier ce que Kabila avait fait par le passé. Kabila n'a jamais été pasteur. Kabila n'a jamais été... si c'est général, évêque, abbé. Ben oui, abbé. Non, est-ce que toi tu as vu la barbe là, c'est un abbé. Faut pas nous mélanger. Mais Jacques, oui, consensus, on veut que consensus est bien lié. Pourquoi? Parce que nous, nous ne voulons pas se mixer là au-dedans en tant que peut perdre pour trouver la solution. Non, la charte est si claire. Il suffit seulement respecter le principe sacro-saint, les choses passent. D'où vient le problème? Le problème a commencé tout d'abord, c'est comment est-ce qu'on a eu Dodo Kamba tout d'abord? On a toqué Moussika. Comment Dodo Kamba a eu et ça débat interne l'église de réveil, mais si quoi est aussi le problème que les 8 confessions religieuses bah, ça bloquées, bah, ça a bloqué, évolué, bah, commis hors délai. C'est exact, Ndeko. Tout est parti de là. Parce que crise ouana et qui est comme si biso na niveau de crise il y a légitimité na ya confiance entre bango moko parce que au sein il y a regroupement il y a ba confession religieuse il se comprend que non ils se sont mis ensemble par le fait que ba eko comprendre que non moko ali ko siéger na bango ayaki na lolenge yo sengelite ça frustré et puis ezaki na loko moko ba bengi pena ke crise, il y a légitimité, il y a confiance, c'est beau, Tami. Nous, nous ne sommes pas là. Bacha est d'une manière cavalière ou pas, mais les textes, les gars sont là, il faut balander. Mais Maïtoko Kamwalelo et Zalinini. Mais par le passé, c'était que quand catholique a se retiré dans la SEC, le président de la République a l'oubli que non, à cause ou à c'était tant que l'église le plus représentatif de la République démocratique du Congo bah, se retirait en ligne à quoi qu'il soit acté. Allusion faite ressemble à l'onda. Exact. Mais nous sommes sous le même schéma. Le même des confessions religieuses qui a compliqué Kabila. C'est le même des confessions religieuses bah, se retirer. Oh, yo, assigné qu'il casse comme lui, madame Mabunda, que non, je ne peux pas prendre acte. Parce que je ne vois pas la tête de Chole et je ne vois pas la tête de XY sur là, cette affaire ici. Mais c'est des mêmes têtes qui se sont retirées à côté. Mais pourquoi est-ce qu'on constate sous les bois, on prend cette histoire sous les épaules, c'est quasiment ou rien, et on regarde Nandeko Tshilombo, il ne dit absolument rien. Mboso, tu dois accélérer l'affaire ou tu dois interiner. Quand vous me posez la question que non, comment contourner? Mais non, oui, on peut contourner politiquement, mais on ne peut pas résoudre les problèmes de légitimité des droits.
C'est là où se pose un sérieux problème. Mais aujourd'hui, quand Mbosso, citoyen Mbosso, donne encore ultimatum, par exemple, de 72 heures, verti de quel principe encore? Parce qu'en partant, déjà, nous avons violé le principe sa procès. Mais on se donne encore badele l'icolo et la violation. Mais nous sommes où? Et qui va exécuter encore dans cette violation? Or, le principe est si clair. Vous avez vu aussi, na côté à citoyen Mbosso, vitesse au ayambela kibanini. Ba PV en question. Or, ayemba ki keno, moutoua mema ki nkasawana. Il n'était pas habilité de porter le PV auprès de lui. Est-ce que as-tu déjà vu monsieur Mbosso, citoyen Mbosso, décliner cette responsabilité à zongi sabango ba PV wana keno bokende bosala yango bozungi sangona ndenge elongo bani? Parce que par le passé on a condamné Mabunda sur ça, mais nous on ne peut pas entrer dans le jeu là. Mais non, il a accepté. Il a continué à donner 70 heures, 90 heures, 110 heures, 300 heures, donc jusqu'à ce qu'on va atteindre 1000 heures. Mais aujourd'hui, lorsque vous regardez encore à l'Assemblée nationale, pire c'est quoi? On dit qu'on a créé une commission mixte paritaire. Mais, par la définition, selon le régime Tshilegelu, quand on parle de la commission mixte paritaire, on voit seulement les membres de l'Union sacrée. Mais on appelle une commission mixte paritaire à l'Assemblée nationale qui va statuer sur l'affaire. Mais je me pose la question, on est où là? On est en train d'aboutir qui? Mais pour chiter, nous n'avons pas problème avec la tête de la personne qu'on est en train de présenter pour être président Yasseni. Mais notre préoccupation, aïe le lengenini. Merci. Ok, voilà. C'est presque le même problème là, chez Abdallah Mangala, où il y a un comité, communauté islamique. Alors, Ndekonjo, Mayele, il y a Ave. Finalement, certains disent que bah religieux, bah, c'est le même comportement que bah politique, plein d'ego. Est-ce qu'il est possible de contourner Bango? Finalement, 72 heures et Sili. Qu'est-ce qu'il faut-il faire? Est-ce qu'il faut ôter le matin dans côté là, ben chef, il y a confession religieuse, pendant qu'il y a un impératif, il y a calendrier. Et Zapéwana, que doit-on faire finalement? Ndeko Jacques, merci pour la maloba. Nalandi, bako débatté, on en a très bien. Et na sepili na ba propos ya Ndeko Papimba, parce qu'aujourd'hui, na mon dirait ba propos na bisozo qui n'a un peu de père. Mais là, on a loba, il y a liboso, Ndeko Nanga, il y a l'amouka, en tout cas, on a eu pas si tant à loba. Parce que vous lui avez posé une question, il n'a pas répondu à cette question. A Mimi Bissona ma Kambouya élection, il y a crise, il y a légitimité, il y a contestation. Au fait, le pays doit avancer. On ne doit pas avoir un même discours. Ndekotan Makesou plus loin, je lui ai suivi à la petite casquette, il y a population, le peuple. C'est de quel peuple dont ils sont en train de parler? Peuple Nino Bango Barolobé. Aujourd'hui, tant que ça la marche, entre guillemets, basali meeting. C'est un meeting, moi je suis en train de dire tout ce qu'ils sont en train d'avancer, ce sont des choses incomprises par la majorité de la population congolaise. Vous voyez là, mon concept où on a dépolitisation, c'est un concept qui est incompris. Oh, bango bango kené na bango parce que bango moko bazo ko comprendre ya yango. Na ké na marambu ya séni, il y a échec na zongi na ba propos ya ndeko Papimba. Déjà en sociologie balobaka pour na ko traiter un fait social, il faut qu'on connaisse toujours des causes à effet pour mieux comprendre la chose. Aujourd'hui, Ndeko Papimba a lobby de Maramba Dodo Kambo, au lobby Maramba Cheikh Abdallah Mangala. Bien sûr, il faudrait commencer par là. Parce que, à pareil, où Ezali coupé sa bisso, organisateur Yasseni, organisateur Yasseni, ils ont où ta place ou là. Il faut commencer par là. Parce que quand les prémices sont mauvais, il n'y a pas de conclusion, c'est une loi logique. Ouais. Prémices sont des amas, mais conclusion, ils ont la raté. Déjà, les prémices ont été mal posées. Et ce que tu dis, c'est la conclusion de Génin. De deux, Séni et Zali Kosal est là, deux instruments. Dans la confession religieuse, ils utilisent la loi sur la Séni, ils utilisent la loi, il y a la confession religieuse. Quand vous lisez la charte de confession religieuse, elle est claire et distincte. Il y a même l'article 6, ou je crois 6 et 8, où ils ont la valeur, où il y a un prélat, il faut pas faire ressortir. La moralité, l'intégrité. Et puis, bon, il faut pas le ramener avec bonne foi, avec passivité. À plus de trois rencontres, oui. Impossible. Mais il y a l'impossibilité de quoi l'objet sous Abimaramou, il y a loi sur la CENI. La loi a connu un processus législatif qui a été normal. La loi est passée par l'Assemblée nationale. La loi est passée par le Sénat. La loi même est passée par un contrôle constitutionnel. La Mouka n'est pas exclue du Parlement.
La Mouka n'est pas exclue du Sénat. La Mouka était là. Nous sommes dans une démocratie où il y a la loi de la majorité qui est en train de dominer. Donc, parler, Marambouya, loi, c'est nous remettre encore en arrière. La meilleure chose à faire, c'est qu'on puisse appliquer ce que disent les textes. Les textes, premièrement, la loi sur la CENI. Deuxièmement, chante la confession religieuse. Neko Mboso étant président et à bureau et assemblée nationale, il a une lourde charge. Si je ne m'abuse pas, je crois à l'article 12, il y a loi sur la CENI, et au PCB a prérogative, voilà, lorsque il y a conflit ou il y a non-désignation, il y a membre, il y a l'une des composantes. Elle est claire et distincte. Nous, au fait, l'homme noir, particulièrement le Congolais, on a un problème de la mise en applicabilité de ce que nous sommes en train de faire. Même l'état de droit, c'est qu'on est en train de parler. Oh. L'état de droit, c'est un concept qui est entonnoir, que les gens sont en train de ne pas comprendre. Donc, il faudrait qu'on puisse appliquer. C'est simple. Alors, rappelons justement cette disposition. Il y a loi Balobi. Si les divergences persistent, l'Assemblée nationale tranche. Alors, Ndeko Gabriel Lomunda dit... Est-ce que dans le monde de l'Assemblée nationale, Bakokiko activer déjà machine Oyo, va trancher finalement la situation? Si vous arrivez à faire cela, ils vont mettre le pays dans le chaos. Oh. Si. Parce que le Oyo bande de cognons Si les divergences persistent, comme c'est le cas maintenant, sous examen, plusieurs rencontres depuis juillet, ma confession religieuse au Canada, c'est-à-dire les divergences persistent, l'Assemblée nationale tranche. Mais c'est ce que je suis en train de dire. Moi, je ne vais pas changer ma réponse. C'est-à-dire que Bango, Assemblée nationale, la configuration actuelle, si vous arrivez seulement, il y a que ça, les dispositions qu'on évoquait ou bien qu'on énumérait, qu'on mette le pays dans le chaos. Pourquoi? Parce que la plupart, il y a la population, basant la confiance à Batouanate. Donc c'est-à-dire qu'ils sont allés trop vite en besogne, basali pour que favoriser Kamokoboye. Alors en oubliant que on a toujours travaillé sur base, il y a ma suspicion finalement. Bon, toujours travaillé sur base, il y a ma suspicion. Problème Ezali vrai. Toyebi, comment est-ce que les choses se sont faites? Toyebi, comment est-ce que les choses se sont déroulées pour que le lot batouana comme majoritaire au niveau de l'Assemblée nationale? Toyebi. Comment est-ce que ma cam? Mais na ligne zonga na loko moko awa. Au moni na tamba zoloba, il faut qu'il y ait un consensus et singeli salema pour mettre tout le monde à l'aise, mettre tout le monde au même pied d'égalité. Consensus d'abord et que salema wana d'aprenga parce que le loso hôtel na ba loi électorale na bango ndenga ba loba. La loi sur le Sei, Seiwana est défavorisable, Batoué Bele, au Bazali capable, compétent sur le terrain, au Bakoko se présenter aux élections, Basuipe va défendre l'intérêt à la nation congolaise. Donc, Ponanga et Sengel, consensus est salement. Consensus est salement pour que Moutounio surtout a le même pied d'égalité. Donc, la suspicion ou bien le procès d'intention est salaté. Alors, et aussi, une autre chose, Nathan Bazolo Bako et Sengel lit un état de droit. Mais, mes chers frères, état de droit, cela signifie que les alliés états où ils battent respecter les valeurs démocratiques. Les alliés c'est quand ils battent respecter les principes juridiques. Dengue bande de commis balé ou bien bisogne surtout dengue tovalia. Ah, c'est principe. Action politique. Ce que ton zongi na charte kaka la confession religieuse. Par rapport à la question, est-ce que chance ou anego à la source pour que bavanda basola n'a vu chance ou anego à la si est seulement si bas c'est dépassé bas tu as intérêt politique est ce que vous avez mis sentiment est toujours torpillé pratiquement calendrier parce qu'on a un calendrier à respecter aussi ce que nous sommes en train de faire ici ou bien ce que nous aimerions en tant que Congolais tel que je suis là et ça t'est que token oui c'est vrai que tout le monde a besoin des élections mais nous voulons que les élections que ces élections soient des bonnes élections. Oyo lelo oyo toko mona makambo les gars en 2006 2011 2018. To lingé élection d'attendre au peuple à se déplacer tikinda kuna ya voter candidat na ye mutuana bima.
pour que tout comme na niveau na yango ezo senga ke makambu evandi samana kimia pena ndenge elongo bani. Merci. Donc to kende vai que te à la va vite ou bien la précipitation parce que to yebika ka élection ezali 2023 mais nous voulons que les choses se fassent d'une manière un peu responsable et aussi sérieuse. Merci. Et le kobiso to lingi ndengo. Monsieur Mangala adios nova sasa simana yo député national mboso azali boso na yazo talayo alors balobi na bango si les divergences persistent comme les cas alors l'Assemblée nationale tranche. OEBC Bangonine va démarrer, va trancher ou pas, parce que chef de l'État, à l'obac qui est en gros sur VOA, à l'obac à Bengi, c'est qui présente l'Assemblée, à l'Oubumbashi, à Koutana qui avait qu'il est New York, à PSK, une instruction claire, ferme, à l'obac, à ceux qui moutou moutouzali, yiki, qui est à Bazo, au Canada, et bien, Assemblée nationale, à Zoba responsabilité, à l'obac, ça l'est en gros, t'aurais à toi consensus. Mon frère, je persiste ce que j'avais dit. Nous, tous les gens, nous avons dit où ils ont samalé l'auté, bah quoi qui bat les pas y'a bah nos pères spirituels pour que bah tiens bah mon akati a confusion. C'est de l'intelligence politique. Non, c'est prévu. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Les imprévus. S'il vous plaît. J'arrive. Oui. Vous savez que dans le texte, on peut tricher dans le texte. Maintenant, pour dire que non, il faut rester dans des principes. Mais dans ce texte-là, on a déjà triché. L'exemple, il y a loi portant organisation et fonctionnement à CENI. Ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, ce qui se passe là-bas, c'est la tricherie en amont. On a déjà triché dans le texte. Comment voulez-vous nous soutenons quelque chose déjà et là qu'ici qui mourit à ma bonne amie? Parce que les choses étaient déjà très mal parties. Là où mon ami a dit ici, sur le prémisse, c'est son mauvais. Conclusion, c'est ça. Ne va pas partager ma force. S'il vous plaît. C'est ça. Effectivement, il y a un problème sérieux. Et là où je dis à mon ami Papi, quand j'ai pris l'exemple de monsieur Kabila, ce sont les mêmes pratiques que nous avons vues en 2006, dans l'élection et les cas. Vous savez, en 2006, est-ce que l'Église catholique avait accepté Malou Malou? En 2011, l'Église catholique et plutôt l'Église SCC là avait accepté comment Ngoï Moulunda? En 2018, les églises là avaient accepté Nanda. Mais aujourd'hui, mais effectivement, ce qui se passe aujourd'hui, monsieur Félix Tshisekedi a salango sciemment. Parce qu'il a dit que ma père est fait quoi. S'il vous plaît, Neko, nous le savons. Je me réfère à ma interview à vous. Mais écoutez, ça ce sont des discours. Mais ce qui se passe, Nassé. Oui, mais ce qui se passe assez, donc, c'est pour dire quoi, mon frère? Makambo et Salema Yaba, père évêque, il ne faut pas que les gens puissent s'établir sur ça. Et nous disons que dans notre pays, les intelligences ne manquent pas. Et le problème, ce n'est pas aussi ce monsieur-là qui a dit malin. N'est-ce pas? Le problème que tu es là, il faut que tu se mettes d'accord autour des lois. Nous, au sein de la Mouka, nous avons dit. Il faut dépolitiser la CENI. Mon frère ici dit que concept de politisation a au comprendre en côté. S'il vous plaît, sentez-vous à l'aise. Je parle du peuple congolais. Tu auras le temps de me répondre. Je ne parle pas du peuple. S'il vous plaît, j'arrive. Oui, je parle pas du peuple. Tu auras le temps de me répondre. Je ne parle pas. Concept de politisation, si vous voulez comprendre tout cela. Je ne parle pas du peuple. Nous parlons, s'il vous plaît, sois calme. Non, sois à l'aise, monsieur. Si nous parlons de la dépolitisation, nous sommes clairs. Nous disons l'absence de politique au sein du bureau. Il y a CENI. C'est clair. La CENI, par son appellation, on appelle ça quoi? Commission électorale nationale. Dites-moi l'indépendance en Outaouapi. C'est à partir des animateurs qui animent cette institution. C'est là où on va voir l'indépendance de cette institution. Mais dans le cas d'espèce, dites-moi, mon cher ami. Nakatia Birowana, vous avez 6 politiques. Évidemment, société civile moko. Je reviens. J'enterris plutôt. Parce que je peux chiter très mal. J'enterris. Le vrai problème,
ici. Le problème, ce n'est pas nos pères spirituels. Et même parmi ce père spirituel, mais il y a ce don qui est déjà, comment dirais-je, si je parle corruption, ceux qui sont, ils sont déjà animés na penchant moko partisan pour soutenir. Vous avez la confiance dans Mutu Morote. Regardez. Il n'y a pas question de confiance. Nous disons, nous sommes clairs là-dessus. Consensus. Nous sommes clairs là-dessus. Okay. Il faut au préalable qu'on se mette d'accord sur la loi. Merci. Et alors, cette loi, dès qu'on va se mettre d'accord, n'est-ce pas, on laisse la société civile et nos pères spirituels dirigent cette institution. Merci. Et à ce moment-là, on va aller aux élections. Merci. Mais aller dans ce... Merci, monsieur. Merci. C'est déjà de la tricherie. Alors, Koti Kabachev, confesseur religieux, va diriger Séné pour la Kisake indépendance et Zali. Déjà, quand on a compris la Batumi, les Pamba. Et ils ont pratiquement deux mois, ils vont se mettre d'accord. Mais c'est voilà, ça se mettre d'accord. Parce qu'il y a ceux qui sont dans la vérité, il y a ceux qui sont dans les mensonges. Baza capable. Le peu jour à programmation, ma résultat peut bonjour le Cameroun, bonjour mon anaté. Alors, Ndeko, Papi Mbao, est-ce que assemblée na stade Oyo va trancher ou va trancher? Te quoi, Bulo, comme sous son roc, y'a plateau. Vraiment, il faut une purification vraiment scientifique et politique. Rapidement. Pour que toi qui n'en envoie. Et puis, je demanderai à M. Jacques vraiment l'état équitable pour équilibrer ça. Parce que j'ai souffert dans le premier. Il faut que le peuple là doit comprendre que vous avez déjà écouté la déclaration il y a IDPS, aller d'accord pour que Ramelia Kabino Bainité. Vous avez tous suivi déclaration sous les bois. IDPS a confirmé que non, a soutenir Oyoba Bengi Mpaku Chile Gelou. Ram. Pour que Elia Kabino Bainité. Et puis, quand moi je parlais, il y a légitimité, il y a ma père spirituel. Voilà, je voulais éclaircir au moins quelque chose. Quand je parlais, il y a ma kambo, il y a légitimité. Bon, il y a un siège pour ma kambo, il y a un père spirituel. Vous avez vu, l'islam, vous avez un fraudeur ici. Ali n'ampifote ya kozala bisika oyo ali kokamba. Mais je vous ai dit, donc il y a les gens qui sont là qui ne méritent qui pas qualité. Qui n'ont pas qualité. Ça pose déjà un sérieux problème. Kamba est arrivé là comment? D'une manière cavalière. Mais Abdallah, vous avez vu le père Bamsousso, Baché, Baéwana, Basali, ba déclaration forte. Balobi que non, c'est un fraudeur. Malobo Baloba qui c'est un fraudeur, un messie qui n'a pas le pouvoir de participer dans les assises. Mais si on a dit qu'on a bateau bali na qualité et qu'on bota mboumanini. C'est ce que je vous parlais par le passé sous le régime Tchilegelou, quand j'ai parlé de l'anocratie. Les institutions faibles. Justement, Papi Mbao, Ozana Maloba, est-ce que nous avons noté qu'on n'avance pas dans le raisonnement, dans le sens que. Tozan la blocage, un pas ses alliés. Si quoi de bénéfice de ce monsieur qu'il faut revoir d'abord qualité à Batoubassa dans la confession religieuse en tant que composante, sous-composante de la société civile. Est-ce que monsieur Moulaté que finalement c'est comme si on n'a pas envie d'avancer la je suis tout à fait d'accord, il faut que parce que la société civile ne gère pas les institutions de la République. La Respublica est gérée par la politique. Et jamais la société civile peut casser la politique la tête pour s'égarer des instructions. Politique, c'est inacceptable. Namayendeko Mangala Lobby. Non, nous devons expliquer quand même les choses d'une manière scientifique. Dépolitiser la CENI. Moi, je me pose la question en tant que politologue, je n'ai jamais eu la réponse. Lorsque la politique engage, moi, je me pose la question, les fruits des entrailles de la politique peuvent être dépolitisés comment en aval? Parce qu'en amont et outil na liboumou ya politique, mais ça doit être dépolitisé comment? Mais dans la même déclaration de la Mouka, on propose 5-5-5-5. L'opposition 5, la Mouka 5 et la majorité 5. Mais les 5 envoyés par la Mouka là, la Mouka va aller le recruter où? Si.
Non, non, nous, on n'a pas politique. On n'a pas opposé 5. Il faut dire la vérité. Nous, on n'a même pas si nous nous disons ceci. Mais finalement, il faut Le président Fayulu n'est pas membre de la société civile. Il ne prie pas dans l'église des Dodo Kamba. Encore moins membre de l'église des Dodo Kamba. Où qu'on doute jusqu'aujourd'hui sa manière cavalière ou à Koma Bisikawana. Je ferme la parenthèse. Ça, c'est une qui parenthèse scientifique que tu devais apprendre. Action Oyo, Ndeko Alobaki, que lorsque Mbosso va se décider sur cette affaire à Kochamoto, oui, je confirme cela en tant que politologue. Pourquoi ? Tu as lu la séparation à pouvoir. Mbosso n'est pas le pouvoir judiciaire. Mbosso a lu l'assemblée. L'assemblée, c'est un pouvoir purement politique. Mais lorsque la politique se décide sur la décision purement juridique, mais il y a un problème. Mais lorsqu'on parle de la charte, charte, on les a certifiés le pouvoir ni pouvoir juridique. Merci. Mais les lois, il n'y a pas si à l'inindeco. Tu comprendre que non, autour de M. Chilombo, il n'y a pas de bons théoriciens qui peuvent réfléchir pour une meilleure gestion de la République. Alors, tu gardes un débat. Non, je suis par là. Tu as des opinions, même, M. Chilombo. Mais il faut que tu m'en aies un débat. Zéla. Je m'en ai aimé. L'Assemblée doit trancher ou pas? C'est la tigre qui a la question. Ndeko Jacques, en tout cas, on permet à peine de s'étaler parce que la moni au Pessiba, la douane en aïe, moi, toujours dépend de la réalisation. Déjà, il faudrait qu'on puisse faire comprendre ceux qui sont à la maison. La mouka a zoko faire extrapoler bisou n'a pas propos morobo 4 ou 5 personnes comprennent. Quand on fait une analyse politique, on tient compte de la superficie. Il y a zone géographique. Nous sommes en train d'analyser un fait qui engage la République démocratique du Congo. Nous n'analysons pas un fait qui engage Massina, qui engage Tchangou. Non. Monsieur Djomaye, lorsqu'il dit que le concept de politisation est incompris par la majorité des Congolais, je m'assume. Je m'assume. La RDC n'est pas Tchangou. Et déjà, lorsque vous allez à Tchangou, le concept de politisation, c'est compris par quelques personnes. Merci. Qu'est-ce que tu veux dire? Quand je suis entre... Je réponds-moi la question parce que... Nazo pour avancer la question. Dans une approche organisationnelle, l'État est stratifié dans la zone. Nous avons le pouvoir qui est exécutif, nous avons le pouvoir qui est judiciaire et nous avons le pouvoir qui est législatif. Nero Alobi, Félix Tshisekedi, est-ce que... Je ne sais pas dans quelle magie Oyo Ndego Félix Tshisekedi azali pouvoir tout instance Oyo azali ko initier ba loi. Non, Ndego Félix Tshisekedi a initié la loi. Okay. Les lois sont initiées soit par le gouvernement, soit par les parlementaires. L'article 130 de la Constitution, il y a République démocratique du Congo et l'article 130. Article 130, article 130, il y a Constitution, s'il vous plaît. Soyez élégant, non? Soyez quand même élégant. Rapidement, répondez. Donc, à mon avis, et retournement au parce que le combo sous la prérogative, c'est une disposition qui est légale, c'est une disposition qui est inclue dans un texte qui est officiel. Donc, quand il y a une mobilio, quand il y a problème, quand il y a cacophonie, cette disposition au législateur à Tchaki, c'est pour apporter une solution. Déjà, lorsqu'on parle de 72 heures, on parle de 48 heures, c'est illégal. Illégal, 72 heures, 48 heures, le temps qu'on est en train de donner, c'est illégal. Temps à trancher. Donc, où est-ce que dans quel texte, dans quel document, quand il y a cacophonie, quand il y a une boglio, au sein de la CENI, il faudrait que Ndeko Mbosso appelle sa à prolonger. Je suis en train de vous dire, Ndeko Jacques, l'état de droit que nous sommes en train de prôner, c'est la mise que tout le monde puisse être dans le respect, il y a la règle de droit. Tout le monde doit se soumettre, que ce soit gouvernant ou gouverné. Et nous sommes dans une démocratie. Démocratie est que naka na caprice à minorité. La mouka est minoritaire. La démocratie est que la majorité. Ceux qui sont majoritaires, c'est ceux qui gagnent.
pourquoi le gouvernement se forme dans la majorité au sein du Parlement? Pourquoi? Parce que nous sommes dans une démocratie. Les battus à la mouka, ils doivent comprendre. Ils doivent comprendre. Moi, concernant un peu ça, il faut pas orienter l'IT. La lutte est mal orientée, la lutte est mal guidée. Et surtout que quand on a une élection, ils risquent de perdre. Et ils rentreront dans les mêmes discours qu'on nous a volés, qu'on nous a. Parce qu'aujourd'hui, on a des discours qui sont incompris, président élu, des politisations et des discours incompris. Alors, mais justement, la grande question, tout ce qu'elle qu'on répond, est-ce qu'il faut trancher ou trancher? Est-ce qu'on peut négocier finalement la moukousse? Un glissement. Parce que dans l'Europe, c'est comme si personne n'est prêt. Il y a un débat. Est-ce qu'on est prêt à négocier un glissement? La première des choses, est-ce qu'ils sont prêts à négocier? Nous disons, nous n'avons pas besoin de négociations, mais nous avons besoin de discussions autour, je précise bien, autour de la loi portant organisation et fonctionnement, il y a CENI. Et nous, nous n'avons pas besoin de discuter pour le partage équitable et équilibré du pouvoir. Non. Ça, c'est la première des choses. Ouais. La deuxième des choses, et je suis en train d'insister là-dessus. Mon ami à côté de moi a bien dit ce que j'ai aimé quand il dit, si les prémices sont mauvaises, la conclusion... Il n'y aura pas de conclusion mauvaise. Ça, c'est une très bonne illustration et la définition scientifique. Oui. Mais ici, nous avons un réel problème. Il y a 15 partis n'a pas élection qui nécessite au préalable qu'on puisse trouver une solution pour améliorer élection à venir. Merci. Mais ici, nous sommes dans la situation. Non, il faut effacer tout ce qui est en train. Donc, nous, au sein de la mouka, nous ne pouvons pas soutenir le faux et nous ne pouvons pas soutenir la faute. C'est pourquoi vous voyez, nous sommes en train de dire qu'il faut que notre peuple trouve sa souveraineté. Est-ce que tu sais que lui peut négocier finalement la partie prenante? Un glissement, parce que finalement, quand on vous allez respecter. Non, je crois que ce qui a sali Yango à Kobeta Libanda, il n'a pas droit à l'erreur. Il n'a pas vraiment droit à l'erreur. Oyonga na Rosenge Zaka que ba Congolais, peu importe tendance auto zali na Yango, tout chama ina vino. Et aussi le grand temps qu'elle va perdre spirituel parce que Bal et Zali. Donc c'est-à-dire qu'ils ont toute une charge de la République. Le lorsque yindi na mutu na bango, ce qui est bon dit pe na mutu na bango. Alors le grand temps, c'est le moment où yo ba chef religieux, ba père spirituel, ba tal sa impartialité na bango, ba tel ce niveau ya sainteté na bango, ba tel ce peuple congolais que ce sont de gens, ce sont des gens. Monsieur, Personnellement, nous, au PPRD, nous n'avons pas besoin de discuter avec les gens qui viennent de l'école buissonnière. Ça ne nous intéresse pas parce que déjà, l'école buissonnière, il n'y a pas la matière qu'on peut apprendre. Déjà, on n'a pas besoin de se mettre sur la même table avec les gens qu'on était déjà, on s'est déjà séparés. Donc, ça ne vaut pas la peine. Awa, na yo kinde konanga koloba sintetete, na politique sintetete zalakate. Ezakande capacité ya ko résoudre makambo na raisonnement purement scientifique et politique. La sintetete c'est à l'église chez Dodo Kamba, pas en politique là où nous sommes en train de transpirer. Je dis ça pour la confession religieuse. Laisse-moi terminer. Et pour fixer au moins quelque chose, nous avons constaté avec regret que non, avec le régime Tshilekelo, il y a des choses qui se passent un peu impossibles. Intoxication dans le média, dans les réseaux sociaux. Vous avez suivi par le passé, il y a cela des jours, Bankasa est emboli dans les réseaux sociaux pour dire que Basselé, bureau comptable, il y a ville province de Kinshasa, parle, mais gestion, il y a un déco, gouverneur Gentilingo. Non, ce n'est que
bato mutema mabe mutema likundu bato obali misu rouge lokola mafuta mbila na mulai mutema likundu. Mais quand on comprend les gens qui n'arrivent pas à gérer les choses, mais vous vous mettez dans les réseaux sociaux pour intoxiquer encore du wana soki bolandi yango et à l'école nationale et à problème. Même image, et à l'époque, quand IGF avait demandé au parquet pour que basse les codes nationales, où ils allaient à la carte. Oui, il y a EPST. Mais les lots, tu comprends, était le régime Tchilégélo. Ngobila, c'est leur allié. Oh, bah ça, la balias, la bango, na union secret, so union salée. Mais nous avons compris avec regret que non, les, même les gens qui viennent sous les bois, s'acharnent sur Ngobila. Jusqu'au point que publier du mot qu'on peut comprendre en route. Mais finalement, régime ici, vous nous amenez où? Merci. Il y a le sérieux problème de nous faire partir d'Odo Kamba. De nous faire partir qui? Kadima Sokina Nouana. Mais vous n'arrivez pas. Mais vous êtes là dans les cadres à publier. On gobi la voler l'argent. On gobi la non. Vous nous faites distraire pour que tout si Kadima tika la couleur. Merci. Sony, pas un bocaté. Sony, il y a un bocaté. Il y a un bocaté. Robila n'a pas volé l'argent. Vous voulez nous faire distraire. N'a pas distraction, la bino ya voilà. Alors, pour que toi, ça la capable. Est-ce qu'on peut déjà négocier le glissement? Est-ce que ça sent l'odeur et le glissement? Négociac, n'a un peu clair. Au fait, Bissot déjà n'a avait en partie n'a Bissot, on avait déjà. On était déjà précurseur dans Marambo. Parce qu'on voyait à l'autre au Kendé, l'élection est arrêtée. D'abord, oui, là, il faut être clair et dire. Vous allez dégager. Non, pas vous. Vous allez dégager. Il faut être clair et dire. C'est pourquoi, même c'est qu'au début, on a amorcé processus. Il y a la consultation dans ma force politique. On a élaboré un document. Le document est là. Tu élabores un document, c'est pour montrer aux gens quintessence. Il y a un document dans le Néhénitozokokéné. On a voulu. Aussi ma article 70, il y a constitution. Parce que quand il y a incapacité, quand il y a une contrainte touchant la survie étatique, nous on a pensé que il faudrait tout inclure aux dispositions de l'État, possibilité à reproger. Okay. Donc nous sommes dans ça. Il y a pas de chef de l'État possibilité. Eh bien ça est. Pourquoi le bien? Parce que nous sommes la République. On aura le temps pour discuter. S'il vous plaît, donnez-moi deux secondes. L'histoire politique de la République, il connaît normalement que l'histoire est dominée par des dialogues et dialogues. Merci. C'est que nous nous proposons. Gabriel, merci. Papi, merci. Il faut quand même. Voilà, juste une transition, honorable Abbès Nomassi, rapidement pour une mise au point et puis toko clôturer définitivement. Voilà, merci. Comme un seul homme devant la presse, c'est vendredi 25 juin 2021 pour donner leur position en rapport avec les dossiers 500 jeeps dont du président de la République. Les députés nationaux Abbès Nomassi, Jean-Baptiste Kasekwa, Charlotte Massiala et Jean Bosco Mambo de l'engagement pour la citoyenneté et le développement SID, parti cher à Martin Fayulu Madidi, ont annoncé officiellement leur refus à la dotation des 500 jeeps aux députés nationaux. Selon eux, ils ne peuvent ni être souscripteurs ni preneurs pour ces jeeps qu'ils qualifient d'une intention d'achat de conscience. Nous, députés nationaux élus de l'SID, demandons au président Christophe Mboso Kodia, au nom de l'honneur et de la probité morale devant caractériser un homme d'État, de démissionner sans atermoiement de ses fonctions de président de l'Assemblée nationale. Tantôt, c'est un achat effectué au moyen des frais de fonctionnement jamais inscrits dans les prévisions budgétaires de l'Assemblée nationale. Ces contradictions démontrent clairement que l'achat de ces jeeps procède des malversations financières dont il faut situer le degré. Invitons aussi les directeurs de la Banque centrale du Congo d'expliquer à l'opinion publique nationale sous quelle ligne budgétaire les sommes destinées à l'achat de ces 500 jeeps auraient été retirées du trésor public. Invitons l'ensemble des députés nationaux à exiger du bureau de l'Assemblée nationale de vendre ses jeeps. Comme il fallait s'y attendre,
la réaction de l'honorable Ados Ndombassi ne s'est pas fait attendre après avoir été cité par son collègue Paul Tshilumbu lors de l'émission Bosolo na politique officielle du mercredi dernier. Selon cet élu de la Tchangou, Ados Ndombassi aurait souscrit au bon des 500 jeeps que les élus nationaux doivent bénéficier. Au cours de ce même point de presse, le député national Ados Ndombassi a profité de cette occasion pour répondre à son collègue de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS et de l'Union sacrée de la nation Paul Tshilumbu au sujet de l'affaire des 500 jeeps. Cet élu de la Founa regrette et déplore qu'un professeur d'université, député national des surcroît, puisse passer dans le média pour raconter des mensonges. Pour que la vérité éclate au grand public, Ados Ndombassi souhaite un débat public avec Paul Tshilumbu sur cette question. J'ai été sali dans une émission au Solo de la politique par un honorable Paul Tshilumbu. Et Zali Soni Mingi, quand je vois des professeurs d'université balle les canapes plateau à télé pour la rocosa lingwana. L'honorable Paul Tshilumbu a été acculé par l'honorable Jean-Baptiste. Aïba Kininga Obimelate, Aïbota Nakomo Nangaïke, Ngaï Nasusri Nae Mokolo Moko. Je vais demander un débat à M. Paul Tshilumbu, à condition qu'il ait la bonne de commande au Nga la Signaki. Soyons sérieux. Ce qui moutou a sa souscription, c'est qu'il y a un dossier quelque part. Il faut dossier, ya. Ok? Et je le dis clairement, s'il prouve que moi j'ai signé, je démissionne de l'Assemblée nationale et je ne ferai plus de politique. Signalons que les 4 députés nationaux de l'ESID ont appelé le procureur général près la Cour de cassation à initier rapidement une enquête sur cette affaire des 500 jeeps qui divise la classe politique. Alors, Ados Ndombassi, honorable député, élu à Yafuna, Zanavi Soelongo, Mbote. Mbote, cher frère. Alors, tout est droit au but. Est-ce que les Kambou y'a pas l'issade Oyenangote. Ben, je pense que tu viens de voir l'élément Yotigo Leka. Ils avaient conférence de presse de Salaki le 25 juin. Na Babureau a décidé na Kassavou, en face à Stade des Martyrs. Nous avons été clairs, Ndebolanga, que Bissoba député a décidé. Donc je ne vois pas comment est-ce que la salle de conférence de presse n'aibisse pas tout que dans le et que dans le lobby Ados Ndombassi n'a qu'il n'est lissu ce qu'on va dire pour un est-ce que la conviction n'a eu tout traque finalement pression il n'y a pas non, parce que de vos qui t'ont fait totalement faux mais tout à ce que ça m'a tu me pression mais cher ami je suis pas du tout je suis le premier député à avoir dénoncé corruption aux salamans à niveau Assemblée nationale. Je l'ai dénoncé quand ils sont venus me proposer 14 000 $ pour aller au Janine Mabunda. Je l'ai dénoncé. Mais 2 semaines après, quand ils sont venus me proposer bande de commandes en eux. Bande de commandes en eux. Pour la Jeep. Pour la Jeep Prado. À l'époque, ils avaient Jeep Prado, ils n'avaient même pas palissade. Ils sont venus me proposer. La signeté. La boule qui en eux. Et Jeep Prado coûtait combien? 80 000 $. Et c'est pour ça même que l'honorable Paul Tshilumbu. À Kosaki na plateau moko que nga dos nombasi, j'avais souscrit pour la Jeep Prado. J'avais dénoncé cela, Ndekolanga. Jeep Prado, moi, bon ami, comme il palissade. Nous disons non à la corruption, Ndekolanga. Donc, je le dis clairement, Bisson n'a qu'à décider tous les partis de valeur. Balanda, Batunio, Swanate, a eu des pèses, oiseaux, les canabas de plateau, tous les jours, pour mentir. Que ngaï, Nazui, Jeep, Nazui en moitié. Mais justement, la question maintenant on s'est posée, Bosa 500, c'est-à-dire 500 Jeep, Ndesangeli oui. Et Ya. Ce qu'on dit, le bon lobby, c'est 500 à commander et Ya. Oui. Est-ce que la Menge est à cause ou la Menge est à combattre ma bro, Benda, mon cher, je te le dis une chose. Ce qui dit ce de Zouaka, je pense que IDPS, Nakikadio Chanae, Agnaga Bissan, déjà, mon frère, si. J'ai retiré cette palissade. Mais il doit avoir un bon de retrait. C'est quand même plus de 60 000 $, Ndekolanga. Il doit avoir quand même ma signature. Mais Babi, sa signature, là. Cher ami, je l'ai dit clairement. Celui où Arula Kisanga, qui est Nados Nombasi, Nazuji Palissade, Naboutou, on a midi, on a 17 h, je démissionne, cher ami. Je démissionne. Je sais pourquoi je suis venu faire la politique. Je suis venu en politique pour que changement écoutera à Congo. Mandela disait ceci. Soyez le changement que vous voulez. Mais dans ce pays, cher ami, corruption est commis une maladie. Corruption est allée à un niveau et à l'Assemblée nationale. Tu as entendu dernièrement
qu'une députée a dit par rapport à Mamouya Kibasa, qu'on est en train de corrompre la carte nationale. Et effectivement, c'était vrai. Que corruption, c'est le cas. Bah, puis si Kibasa, 48 heures, tu sais quoi à mon anéanté. Mais bah, je lui entends, si et que le mercredi. Pourquoi? Parce qu'on est en train d'entretenir la corruption. Cher ami, j'aimerais te dire ceci. Dans ce pays, vous avez 27 millions de Congolais qui sont en insécurité alimentaire. 7 millions d'enfants qui souffrent de malnutrition. La RDC est aujourd'hui le 7e pays d'Afrique le plus corrompu. 17e pays sur 195 pays reconnus par les Nations Unies le plus corrompu au monde. Est-ce que nous devons continuer comme cela, cher ami? Je me dis ceci. Faire de la politique, Rosano Maele, mais si tu n'as pas d'éthique, si tu n'as pas de probité, si tu n'as pas de moralité, toke libosoté. Et c'est ça. Ce qu'on veut, nous avons que Ados Nombasi, ils ont valoir plus que ma députée Moussou Bazo roulé. N'a pas dit ça. Ils ont plus intègre, ils ont propre, collègue Abango, ma collègue Léon Moussou. Tu sais, cher ami, moi je ne suis pas un héritier. Papa n'a pas dans le pain, tu dans la voiture, tu sais. Ma dans la valeur. La valeur. Je ne dis pas que je suis un saint. Tout ça, puis babé. Mais comment le niveau est commis, je pense que nous devons aujourd'hui changer de manière de voir les choses. Naruta Milo, article 58 de la Constitution de l'Abisso. Et le Biboui. Tous les Congolais ont le droit de jouir des richesses nationales. L'État a le devoir de le redistribuer équitablement et de garantir le droit au développement. Il est écrit nulle part dans la Constitution. Parce que moi, Ados Nombasi, je deviens député national, n'a comment se servir. Il est écrit nulle part qu'un ministre doit se servir ou un président de la République. Il n'est écrit nulle part. Les richesses du Congo doivent se redistribuer de manière équitable. Et si nous le faisons, je pense que le Congo va réellement évoluer. Donc, mise au point, Claire, on a entretien, on a deux semaines au signa bon de commandité. La signa bon. Mais je dis, la signa bon de commandité, okay. Et puis, nous allons faire une grosse conférence de presse. Tout ça, c'est la nanou. Tous les 500 députés au Bazolo Babarozoango, après nous allons passer maintenant tout ça là, une conférence de presse tous les 4 députés, nous allons faire une très grosse conférence de presse et nous allons demander certaines choses au niveau bien sûr. L'instant nanda kunayo palisa bezaka mais Rozoango te cher ami la CNDT va te kelayo la boutique à la Rozoango te. Moi je suis un défenseur du peuple. Pour la suite, ça peut être mon cher. Mmh. Tu sais, moi, j'ai commencé à travailler en 1998. J'ai travaillé à la Bralima. J'ai quitté la Bralima en 2004 comme agent de maîtrise. Mais tu sais pourquoi j'ai quitté? Parce que j'ai défendu temporaire, journalier. Moi, à l'époque, je touchais, je pense, $500. C'était quand même beaucoup d'argent. Mais je travaillais avec des temporaires qui touchaient $30 à la fin du mois. Mais j'ai décidé un jour, Mukulomoko, il y a l'administrateur délégué à Bralima, M. Mamarène, à Bingsi, tous les 6000 employés à Bralima. La Primus se vendait très bien, je ne fais pas la publicité à l'époque. À Kabilebiso, tous les employés, Losso, Madesu, Mafuta, tout ça. Et après, il a demandé aux gens, ceux qui, première personne à Koumissi, oui, qu'on les a déjà les lots. Ah, merci pour la Losso, merci pour la Soso, merci pour l'Exeter. Deuxième personne, troisième personne, je prends la parole. Nando Mbassi, 2004, jeune que j'étais. J'ai dit à monsieur l'administrateur délégué, moi de ce Nando Mbassi, je suis agent de maîtrise, je touche $500 à la fin du mois. Mais je travaille avec des temporaires qui touchent $30 à la fin du mois. Mais Batongo, Bazarabane, ils doivent les védir, les scolariser. Ibisanga, Boutongo, revivre une ligne à $30. Cher ami, deux semaines après, Pesanga sanction, j'ai démissionné, je suis parti. Merci. Voilà. Mais ce qui s'est passé après, cher ami, ce qui s'est passé après, c'est que le salaire à Batouana est loin de $30 et comme à $150. Grâce à l'intercession là. Grâce à ce. Non, c'est-à-dire j'ai démissionné de la Bralima. J'ai quitté. Parce que dans le Bélagibango, c'est pour te dire quoi, cher ami. Il y a certaines personnes qui sont capables de se sacrifier pour ce pays. Et moi, en venant en politique, je suis clair, je suis venu me sacrifier pour ce pays. Maintenant, pour clôturer, j'aimerais dire aux gens de venir le 9 octobre. Na meeting homme néné d'Ossalanji de Saint-Thérèse. Un grand meeting. Nous allons expliquer aux gens pourquoi, bien sûr, il faut réellement dépolitiser la CENI. Pourquoi il faut dire non à la fraude électorale. Pourquoi il faut dire non au glissement que M. Tshilombo est en train de préparer. Nous allons expliquer au peuple congolais, et bien sûr,
Babou Mbappé le 16 octobre. Abos Mbassi, aux députés nationaux. Tout à fait. Tout ça, le débat Awa, Mibé, Konabino, Zonobake, si le divergence et ça qu'on persistait, Bino, Assemblée nationale, ça dit, Bados Mbassi, Christophe Mbosso, il faut me trancher. Cher ami, tu sais. Est-ce que êtes-vous prêt en tant qu'assemblée, oh, Baba, tu vas pour moi, êtes-vous prêt à trancher finalement la crise autres aux alentours? Moi, je suis choqué, par exemple, quand j'apprends que Félix Tshilombo a lobby, j'ai instruit le président Mbosso. Mais c'est un scandale. Séparation du pouvoir Ezaapi. Et Obanaboli, Félix Tshisekedi Tshilombo, instruire l'Assemblée nationale. Ça n'a aucun sens, cher ami. Et voilà, pays n'a pas de tokomi. N'a potopoto moro total. C'est pour vous dire encore une fois de plus, cher ami, majorité Oyo, factice Oyo Salami n'a pas d'Assemblée nationale. Vous trouvez ça normal? Encore la corruption, le fruit de la corruption. Nous savions tous que la majorité Zalaki n'a FCC. UDPS a 32 députés. Par quelle magie l'UDPS a commis majoritaire malamor dans le Parlement? Corruption. Et c'est la corruption que nous combattons aujourd'hui en République démocratique du Congo. Nous demandons au président Mbosso de se comporter comme le président du Sénat à l'époque, Yeng Wadundo, avec beaucoup de sagesse. Monsieur Mbosso doit arrêter de faire du forcing. Et nous le disons clairement, ce qui va sauver ce pays, comme l'a dit une personne tout à l'heure sur ton plateau, nous risquons d'aller dans une guerre civile dans ce pays. Forcer ou respect à Kalanta? Mais non, cher ami, je pense que les choses ont été mal présentées au niveau de l'Assemblée nationale. Mais parce qu'il y avait déjà une mauvaise intention. Et c'est pour ça que j'aimerais dire au peuple congolais, s'il te plaît, pour clôturer, pourquoi pour un beau marché pour la ramte? Bon marché à pour la blure kita. Ne connais na kata kosa. Mais mon cher, non mais mettons les mots, ça se voit tout le temps. Mais mon cher, attends. Il était prévu que Naloba n'a intervenu, on a 76 députés. Mais comment on a dit ça? Comment on a dit ça? Kata rara. C'est comme quand le massif à Loba, au moins la moussée bini, on a tout kata débat. N'aïe baraté pour aider. Et je l'ai même dit le même jour au président Mbosso. Pourquoi au boya nana Loba? Pourquoi au bout de la main, je ne veux pas changer de lamba parce que ma rose est un indice. J'aimerais dire ceci, Ndekolanga, s'il vous plaît. Naïb, c'est pas congolais, n'y a pas. Cher ami, l'osso tolère à Nabassa et Nabi Souza politique dans la Congo. Ram, c'est une décision politique. Tout est politique dans ce pays. Yo kite ki balobi yonoto, bilo ki ta la 10 dollars. Et qui tâte, décision politique. Mais Baki n'a Bibi va pas négocier. Tout est politique dans ce pays. Makambeloro le bako na ram, publié à nos réseaux sociaux. Na mokuse au niveau le bana ministre qui basanine. Premièrement, que c'est de l'escroquerie, c'est du vol. Ndegolanga, RTL, Vodacom, et c'est la régie fiscale, t'as. Et bah kokata ba une unité pour la nine. C'est du vol. Donc RTL a commis des GDA. RTL a commis tout, comment on l'appelle, OCC, Office de contrôle. Ça n'a aucun sens. Et j'ai été même allé plus loin. Moi, j'ai été clair, il faut que c'est la démission, il y a M. Kibasa. Les étudiants ne seront pas d'accord. Non, avec mais n'est-ce pas ils ont profité de la Wi-Fi, aura une déclaration, il y a quelques années. Oulala, t'as vu comment on réduit les étudiants dans ce pays? Wi-Fi. Wi-Fi. Non, cher ami, arrêtons. Il y a se moquer à peuple congolais, cher ami. Je vous le demande. Nous devons respecter ce peuple congolais. Wi-Fi, ça ne représente absolument rien. Oui, ok, on l'accepte. Mais taxe, il faut une contrepartie. Celui-là, Ados, Bokatina taxe, c'est quoi la contrepartie que je gagne? Wi-Fi, à étudiant, de rappeler Ados de masse dans le roi, et pas l'université pour la Wi-Fi, ça n'a aucun sens, cher ami. C'est du vol, et sincèrement, si M. Kibasa a ça vraiment Moutou ou à se respecter, je pense qu'il devrait se présenter le mercredi, la démission naïe à l'ONU. Parce que la rame là, et ça n'y va tout pas si mingi dans la République démocratique du Congo. Voilà, conclusion. Le 9 octobre, la Nekolanga, Boya et Belé na meeting, il y a la Mouka, Nanjili Sainte-Thérèse. À partir, il y a 12h, Boya, le président élu Martin Fayoula Rosala, le premier ministre honoraire Adolphe Moussita Rosala, nous allons vous expliquer pourquoi aujourd'hui il faut impérativement faire en sorte que. Tout dépolitiser, c'est dit. Parce que pouvoir, il y a Félix Tshilombo, et ça pouvoir, Moko, il y a le Kuta. Il y a qui n'a pas de Yamabe. Si on a reçu l'élection, on a Mboka Oyo. Mais on va préparer déjà fraude électorale en 2023.
Donc c'est-à-dire que passe à Congolais et qu'on a les sous-mini. Donc on est au téléma le 9 octobre, Bissonioso, Nanjili Sainte-Thérèse, le 16 octobre, grande marche pacifique, autour de ça là, et que vous allez bien sûr encadré par la police congolaise, pour une première fois. On a Willery. Non, nous allons discuter. Non, nous allons discuter, nous allons négocier avec bien sûr l'autorité urbaine qui est le gouverneur de la ville de Kinshasa. Merci. Merci beaucoup. Ados Novasi, député national, merci Ngoyaki. Mais pour la bateau, oh Baningi, plus d'informations. On va prendre la WhatsApp. 099 99 11 972 099 99 11 972. Pour vous avoir information dans l'ail toboké la page dans la officielle na Facebook Ados Nombasi officiel na Facebook. Donc 099 99 11 972. Merci palissade ana tokozwa yango t pour tout un grand désaïeté. Merci à Dos Novasi. Voilà, large débordement finalement la libre débat Mokonalemo et Bozala Kiwana Pona Konanda Bisso, rediffusion 18h pour 21h. Merci. Lobby, t'écoutez pour la troisième numéro. Au revoir.